Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors on va prendre la direction de Marseille pour commencer la semaine ce lundi 27 mai avec un quintée réservé au galopeur à nos Louis Brunet. Quatrième course de cette première réunion qui est prévue à 13h55. C'est un handicap. Une première épreuve d'un handicap divisé réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront 16 au départ. On a fait le plein de partants. Le parcours de 2000 mètres qui nous attend avec... Pas mal de possibilités, je vous le cache pas, c'est une course qui est très ouverte, il y a plusieurs concurrents qui viennent d'en découdre sur ce parcours, mais voilà, le handicap était de catégorie un petit peu euh, inférieure, là il y a d'autres concurrents qui sont au départ en plus de ceux qui composaient la course référence, donc... Vraiment, on a affaire à un lot euh, qui est assez homogène et la course s'annonce très disputée. On va faire confiance aux spécialistes et surtout aux concurrents euh, qui sont présentés par des entraîneurs du CRU, à commencer euh, par le numéro euh, 4, un hein, Morphe One, euh, premier atout de Patrice Cottier, un hein, Morphe One, euh, qui a remporté un handicap cet hiver et qui depuis a montré euh, qu'il avait encore de la marge dans cette catégorie. Hein. Ces deux dernières sorties se sont soldées par deux accessites, euh, le 1er avril du côté euh, de Saint-Cloud dans un Quintet plus euh, sur cette distance d'ailleurs, et puis euh, trois semaines plus tard. Il terminait troisième d'un nouvel handicap, un nouveau quintet disputé cette fois-ci sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Donc voilà, un cheval qui est compétitif en 37,5 qui cherche sa course. Alors ça a beau être un cheval entraîné par un entraîneur du CRU. Euh, je crois que c'est ses premiers pas à, à, à Marseille. Ouais, c'est ça, ce sont ses premiers pas du côté de Marseille. Il faut dire que c'est un poulain de 4 ans qui n'a couru que 12 fois, mais en tout cas, euh, il a prouvé qu'il avait euh, les moyens de remporter une telle épreuve. En plus, il associait à Michel Barzalona. Donc. Voilà, il a pas mal d'atouts dans son jeu, mis à part ce numéro 14 dans la salle de départ, je sais pas si c'est rédhibitoire, j'avoue que j'ai pas regardé les, 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 années, les arrivées précédentes des, des, des autres années, mais en tout cas, euh, c'est un concurrent qui clairement a la poiture d'une telle épreuve et qui doit lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position... Le deuxième atout euh, de Patrice Cotti, hein, c'est Thunder Speed. Je ne sais pas s'il n'était pas entraîné euh, par euh, Christophe Ferland, celui-là, il y a quelques temps. Ouais, c'est ça, c'était Christophe Ferland. Écoutez, il est chez Patrice Cotier, lui aussi a pas un super numéro dans les stalles de départ, il a le numéro 16. Maintenant, euh, son mentor lui a vraiment donné du moral parce qu'il a couru deux fois. Euh, dans des courses un peu plus modestes pour deux victoires. Donc le cheval est en pleine possession de ses moyens. Euh, il est compétitif à ce poids là en 37,5. Il a même fait euh, l'arrivée de Quintet euh, le printemps dernier en 38,5. Il a terminé deuxième. Donc en 37,5, clairement, il a la pointure d'une telle épreuve. Maintenant, il a le numéro 16 dans la stade de départ. Ce qu'il aura également pour lui, euh, c'est qu'il est qu a associé à Marvin Grandin. Je ne sais pas s'il avait le choix, Marvin Grandin, entre euh, Thunder Speed et euh, Morphe One. En tout cas, en général, c'est la première montre euh, pour Patrice Cotier. Donc clairement, c'est une première chance. Moi j'ai fait le, le choix de retenir euh, Mikel Barcelona avec Morphe One. Mais en tout cas, ce numéro 6, Thunder Speed, il est clairement capable lui aussi euh, de lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième en position, j'ai retenu le numéro 9, euh, Royal Right. Un cheval qui fait toutes ses courses, à peu près. C'est un cheval qui a été réclamé cet hiver sur les podromes de Cagnes et qui a rapidement apporté des joies à son nouvel entourage en se classant troisième d'un quintet du côté de Cagnes. Et puis, il a confirmé derrière sur la PSF de Chantilly en terminant quatrième. Euh, ensuite ça a été un peu moins bien euh, du côté de David mais dernièrement il a terminé deuxième de la course référence Je vous ai dit une course référence avec quatre concurrents qui ont terminé aux quatre premières places sur ce parcours euh, dans un handicap Et c'est vrai, vrai que ce Royal Right a euh, terminé déjà deuxième en compagnie d'Aurélien Lemaître Donc la forme est là, l'aptitude au parcours Il a un très bon numéro dans les stalles de départ Une nouvelle fois associé à Aurélien Lemaître Pour moi avant le coup il coche toutes les cases Pour gagner il faudra que ça se passe bien Mais clairement il a sa place sur le podium Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu là ce Roquemont, un des spécialistes hein, de cette piste. D'ailleurs, c'est lui qui a gagné la course référence euh, en dernier lieu. C'était le 3 mai dernier euh, sur ce parcours, en battant notamment, euh, comme je l'ai dit, euh, le cheval d'Aurélien euh, s'appelle, euh, Royal Ride. pardon. Euh, du coup, là, il a été pénalisé, il est en valeur 40. Maintenant, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au printemps, à euh, l'automne dernier, il a terminé deuxième d'un quintet sur ce parcours en valeur 40. Donc, il est capable de bien faire encore à cette valeur. Il a encore un petit peu de marge à ce niveau-là. C'est un superbe finisseur. Donc le numéro 11, ça m'ennuie pas. C'est un cheval qui a de l'expérience qui, pour moi, euh, doit pouvoir également euh, tirer son épingle du jeu. Je l'ai retenu en quatrième position, mais clairement, c'est un concurrent qui peut monter sur le podium. Ensuite, en cinquième en position, j'ai retenu le 5 Lépard, à tout de Jérôme Régnier, je vous l'ai dit, on fait confiance aux entraîneurs du Crué. C'est vrai que Jérôme Régnier, il connaît bien cette piste. Alors Lépard, c'est un cheval qui avait tenté sa chance dans un quintet une seule fois dans sa carrière. C'était cet hiver du côté de Cannes. Il avait terminé 7 septième, mais c'était vraiment pas si mal que ça. C'est un poulain qui avait encore besoin d'apprendre son métier, même s'il avait déjà montré pas mal de possibilités. En tout cas euh, depuis euh, maintenant deux courses Il est muni de hier Ça fait la différence Ça lui a permis de remporter un handicap En dernier lieu sur l'hippodrome de Salon de Provence Son entraîneur lui a redonné de la fraîcheur hein, C'était début avril Donc un cheval qui est une nouvelle fois muni de hier Qui est présenté avec de la fraîcheur Et qui a un très bon numéro dans les stalles de départ euh, Associé à Antonio Rani J'aime beaucoup son profil euh, Il est en plus capable d'aller aux avant-postes Donc voilà S'il arrive à bien partir à se retrouver rapidement dans le groupe de tête Il peut euh, pourquoi pas lui aussi lutter pour une très belle place En tout cas euh, moi je l'ai retenu en cinquième position Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 7, Cortez Bank qui connaît cette piste sur le bout des sabots, hein. il vient de terminer 3 de la course référence euh, derrière Rockmont et Royal Wright. donc la forme est euh, là, en plus il est associé à Augustin Madané, c'est un, un peu le même profil que Royal Wright. il a été réclamé, je crois, euh, à Caen-sur-Mer, ouais c'est ça, il a été réclamé euh, cet hiver sur les podromes de Caen-sur-Mer, et lui aussi a apporté des, euh, des satisfactions à son nouvel entourage, notamment en terminant 4 d'un quintet fin février sur ce parcours, donc en valeur 37, il est compétitif. Il a précisé parcours. Il l'a prouvé également à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'avant le coup, je vois une très belle chance théorique. Je regarde s'il n'avait pas couru cette épreuve l'an passé. Non, il était en deuxième épreuve, je crois, l'an passé de ce quinté. En tout cas, il est en forme et il est compétitif. Pour moi, il a sa chance pour une place. Ensuite en 7 position, j'ai retenu le 13 alpage, un cheval euh, qui a repris également de la fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis un peu plus de deux mois. Et euh, une quatrième place dans un quintet disputé sur l'épodrome de Compiègne. C'est un cheval qui a été une nouvelle fois, comme je l'ai dit, réclamé. C'est un peu euh, pas mal de profils qui se ressemblent. Hein. C'est un cheval qui était réclamé, euh, qui était chez Jérôme Regnier euh, cet hiver et qui est passé maintenant chez Nicolas Perret. Deux courses derrière, cinquième et quatrième dans des quintets. Comme je l'ai dit, de la fraîcheur. Stéphane Passier quand même qui lui est associé numéro 4 dans la stade de départ, à mon avis euh, son entourage a bien préparé euh, son coup et euh, je pense qu'il est capable de réaliser une performance de choix, je l'ai retenu seulement 7ème, je vous l'ai dit la course est ouverte, il faut faire des choix mais lui aussi il a le droit de faire l'arrivée de ce quintet. Et enfin en 8ème position, j'ai longtemps hésité, j'ai retenu le numéro 3 euh, Bakshizarei, qui revient à une valeur vraiment très intéressante. Hein. Euh, il est pris en valeur 39 maintenant. Euh, C'est un cheval quand même qui était pris en valeur 42,5 euh, il y a à peu près un mois lors de son quintet où il terminait 8e à Bordeaux-le-Bousca, d'ailleurs derrière Morphe -One, pardon. En tout cas, 8e d'un quintet en 42,5 quand on passe en 39. Pour moi, en théorie, ça laisse une marge même de finir sur le podium. Maintenant, voilà, de la théorie à la pratique, comme je dis, il y a toujours un pas qu'il faut franchir. En tout cas, il vient de terminer 8 d'un réclamé. Ça lui a permis de voir sa valeur une nouvelle fois baisser de 2 kilos. Donc, clairement, il aborde ce quintet avec vraiment euh, pas mal d'arguments à faire valoir, même si euh, c'est vrai qu'il faudra quand même euh, qu'il montre un vrai visage. Mais avec ce numéro 2 dans la salle de départ, je trouve qu'il fait partie des Outsiders très séduisants. Et enfin, en cas de non-partant, pardon, j'ai retenu le numéro 11, Muellheimer Perle, pardon, je vais y arriver, euh, une chic jument qui fait toutes ses courses, qui connaît parfaitement ce parcours, euh, c'est elle qui a couru, je crois, cette course l'année dernière, laissez-moi voir ça, euh, si j'ai cette performance... Non, c'était pas l'année dernière, c'était une autre course, c'était peut-être un, une autre ah, elle, a, elle a couru non, elle a couru le quintet euh, du euh, 27 février hein, le quintet dans lequel cortés Bank terminait quatrième. et elle était prise en valeur en valeur laissez voir, en valeur 38. Là, elle est prise en valeur 36. Donc clairement au niveau de la marge, ça laisse pas mal de possibilités. Euh, sixième en 38, ça veut dire qu'en 36, clairement voilà, en théorie, c'est une nouvelle fois la même chose. En théorie, elle a sa chance comme beaucoup. Maintenant, euh, comme je l'ai dit, c'est un quintet ouvert et il faudra faire des choix. J'espère en tout cas euh, ne pas me tromper. Ce sera juste mon regret ce numéro 11. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 6, le 9, l'As. Le 5, le 7, le 13 et le 3. Et en cas de non-partant donc le numéro 11. En conseil de jeu, bah c'est vrai que les pensionnaires côtiers ont l'air bien. Le 4L6 Morphe One et le 6 Thunder Speed, euh, pour moi vu ce qu'ils ont montré et, et euh, à cette valeur, ils doivent lutter pour la victoire tout comme le numéro 9 hein, d'ailleurs. Un hein, Royal Right euh, qui apprécie ce parcours, qui est en grande forme, qui vient de le prouver sur ce tracé. Pour moi c'est également une priorité. Il euh, faudra que tout se passe bien pour tout le monde. Hein, c'est pareil, c'est des quintés qui, qui parfois... Euh, font qu'il y a des malheureux dans le, dans le parcours. En tout cas, euh, on espère que ce sera fluide et que euh, j'ai fait des bons choix, surtout. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Mini Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite loge. Vous aurez le résultat euh, du tirage au sort dans l'édition de demain. Hein. Du Quintet, ce sera du côté d'Auteuil, euh, puisque le Quintet euh, n'est pas encore couru, hein, celui de dimanche au moment où je tourne cette vidéo. En tout cas, euh, soyez présents bien mardi. Ce sera du côté d'Auteuil avec une course qui n'est pas si facile que ça là, on a affaire à une course à condition pour jeunes chevaux euh, course de repli, il n'y avait pas assez de partants dans le handicap on en reparlera d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous, bye bye